Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo tuto sur NBA 2K22 Next Gen. Et on va voir comment on peut se faire plus de 26 000 VC par heure. Et en plus de farm l'XP pour l'espèce de Battle Pass que vous avez sur cet opus. Je sais que mes vidéos NBA 2K n'ont pas bien marché l'année dernière. Mais ça fait 17 piges que je joue au NBA 2K. Et même si je suis toujours aussi rincé, c'est plus fort que moi, j'ai envie de vous faire des vidéos dessus, notamment des présentations de builds qui sont vraiment énervées avec beaucoup de badges, mais également de très très bonnes stats. Car si vous faites des builds avec 95 voire 100 badges, mais des stats immondes, ça sert strictement à rien. Donc pour cette astuce, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous allez créer un nouveau perso, peu importe le poste, les stats, tout ça, on s'en fout. Une fois dans votre appartement, vous sortez dans la ville et il y a une quête à faire, c'est la course de skate qui, cette semaine, est près de la mairie des Wildcats. Elle se trouve en haut à gauche de la map et vous y allez, vous faites la course et vous devez impérativement réussir la quête. C'est-à-dire terminer la course en moins de 1 minute et 12 secondes, c'est vraiment pas bien compliqué, vous allez voir. Et une fois terminé, vous allez gagner 1000 points MVP qui vont vous terminer un objectif de ville et vous rapporter 250 VC. Et le fait de terminer la quête de course va vous rapporter 1500 VC plus de l'XP pour le pass de combat. Appelez ça comme vous voulez, on s'en bat les couilles. Une fois la course terminée et vos VC en poche, vous revenez dans le menu principal et vous refaites un joueur et vous recommencez la manipulation. Perso, à chaque fois, j'efface le joueur créé pour éviter d'en avoir 15, sinon c'est vite le bordel. Mais vous avez vu, c'est hyper simple, vous faites ça en boucle. Chaque run dure 4 minutes, voire moins si vous êtes vraiment chaud boubou. Et toutes les 4 minutes, à vous 1750 VC et de l'XP. Donc, si vous calculez bien, sur une heure, vous allez faire plus de 26 000 VC, ce qui est hyper rentable actuellement. Donc oui, c'est un petit peu relou, ça reste du farm, mais pendant que vous faites ça, mettez-vous une petite série à côté, écoutez de la musique, faites autre chose, pendant que ça passe vraiment tout seul, c'est ultra rentable, faites-le avant que ce soit patché. Car oui, on sait que les VC, c'est le bébé de NBA 2K, donc il se peut que cette astuce soit patchée à l'avenir. Donc profitez-en au max avant que ce soit terminé. Également, si vous avez des problèmes pour parler au PNJ qui donne la quête et qu'à la place, ça vous ouvre le shop, reculez un petit peu, mettez-vous à max distance du PNJ pour lui parler et ça devrait être bon normalement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça marche toujours à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, si ça a été patché ou autre. Mais à l'heure d'aujourd'hui où je pose cette vidéo, c'est clairement fonctionnel. Donc pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On revient très très vite avec plusieurs builds vraiment énervés. Prenez soin de vous l'équipe et à bientôt. Ciao ciao!